Quatre étapes pour attirer l'amour et trouver le bon partenaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Dev Academy. Dans cette vidéo, je vais aborder les quatre étapes pour attirer l'amour dans sa vie et trouver le bon partenaire. Il faut savoir que pour trouver le bon partenaire, il faut d'abord être en harmonie avec soi-même. Cela suppose un travail sur soi pour mieux se connaître afin d'identifier ses désirs et ses besoins profonds en matière de relations amoureuses. Cela suppose aussi de définir et de mettre en place des actions concrètes permettant de réaliser ses désirs et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés sur le plan sentimental. Voici donc les quatre étapes pour attirer l'amour dans sa vie et trouver le bon partenaire. Mais juste avant, assure-toi de t'abonner à la chaîne Dev Academy et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes futures vidéos sur l'élégance, la séduction et le développement personnel. Je publie une vidéo par semaine. Télécharge aussi ton guide offert « Comment devenir irrésistible » que je te laisserai dans la boîte de description en bas de la vidéo. Alors, étape numéro 1 pour attirer l'amour et trouver le bon partenaire, c'est de ralentir et d'arrêter de courir après l'amour. Il y a certaines personnes qui veulent coûte que coûte trouver un partenaire et pour y arriver, elles multiplient les sorties et les rencontres. Or, se lancer dans la recherche active de l'amour sans avoir au préalable bien identifié ses besoins profonds et ses aspirations en matière amoureuse, c'est l'assurance de tomber sur des personnes qui ne correspondent pas à tes attentes ni à ton idéal. La première étape dans la recherche de l'amour consiste donc à ralentir et à se poser avec soi-même pour observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il faut faire silence et s'observer. Le but étant de comprendre dans quel état tu es, comment tu te sens. Le but c'est aussi de comprendre tes besoins sur le plan sentimental, tes peurs, tes croyances. En ralentissant et en faisant le point avec toi-même, tu sauras ce que tu veux pour ta vie amoureuse, le type de partenaire que tu souhaites avoir, les sentiments et émotions que tu attends d'une relation amoureuse, les différentes activités que tu souhaites réaliser avec ton futur partenaire, les valeurs que tu souhaites que ton partenaire idéalise, etc. Tu définiras aussi les comportements attendus de ton futur partenaire ainsi que les comportements, attitudes que tu ne tolères pas et qui te feront tout de suite cesser ta relation avec lui. Donc lors de ce travail d'introspection, il faut te demander quel genre de relation amoureuse tu souhaites avoir et aussi te demander pourquoi tu veux ce type de relation, pourquoi tu veux ce genre de partenaire. Étape 2, cesser de penser que tu es en manque d'amour. Quand on est à la recherche de l'amour de l'homme de sa vie, on a l'impression d'être en manque. On a l'impression de manquer d'amour, l'amour que le partenaire est censé nous apporter. De plus, quand on est passé d'une déception amoureuse à une autre, on finit par se convaincre que les hommes bien ou les femmes bien sont une denrée rare, ce qui contribue à ancrer ce sentiment de manque d'amour. Or, pour trouver l'amour, il faut passer de cette croyance fausse de manque d'amour à une mentalité où l'amour est abondant et qu'il est partout. Sache que tu ne manques jamais d'amour, même quand tu es célibataire. Car que tu sois célibataire ou en couple, il y a et il y aura toujours des personnes qui t'aiment. Je fais allusion ici à tes proches, tes parents, tes amis. Donc l'amour est déjà là dans ta vie. C'est juste que tu es concentré sur ce que tu n'as pas, à tel point que tu ne ressens pas l'amour que ton entourage te porte. Dans la vie, il y aura toujours des personnes qui vont t'aimer. Peut-être pas de la manière dont tu voudrais être aimé, mais ils t'aiment quand même. Donc le manque d'amour n'existe pas. Il y a certainement des personnes autour de toi, des hommes qui t'aiment. C'est juste que ton attention est portée sur d'autres hommes, d'autres personnes, à tel point que tu ne remarques pas l'homme génial au loin qui n'a Dieu que pour toi ou cette femme timide qui sourit béatement pour tenter d'attirer ton attention. Donc cesse de penser que tu es en manque d'amour et développe l'état d'esprit selon lequel l'amour est partout. Il suffit d'ouvrir grand les yeux et changer de regard sur les personnes et les événements. En plus de l'amour que les autres
personne te porte, il y a aussi l'amour que tu te portes à toi-même. Car tu es censé t'aimer d'un amour inconditionnel. C'est vraiment important de s'aimer pour pouvoir faire entrer l'amour dans sa vie. J'ai une vidéo complète dans ma chaîne sur l'amour de soi que je t'invite vivement à regarder à la fin de cette vidéo. L'amour de soi est un prérequis pour attirer vers soi l'amour et les bonnes personnes. Une personne qui s'aime fait toujours ce qui est bon pour elle-même, ce qui éloigne inéluctablement les mauvaises personnes qui voudraient juste profiter d'elle et attirera vers elle les personnes bienveillantes qui ont la même fréquence vibratoire qu'elle. La troisième étape pour attirer l'amour et le bon partenaire vers soi, c'est de faire de la place pour le nouveau partenaire. Après avoir fait un travail sur toi pour identifier tes besoins en matière de relations amoureuses et après avoir fait le nécessaire pour te convaincre que tu n'es pas en manque d'amour et que tu es bien comme tu es car tu as déjà l'amour de toi-même et l'amour de tes proches et de tes amis. La troisième étape est de faire de la place dans ta vie pour faire entrer un nouveau partenaire. Car on ne peut pas faire rentrer l'amour dans sa vie si on ne fait pas de place à cet amour. Ce que j'entends par faire de la place à l'amour, c'est de faire une croix sur ton ex ou tes ex, c'est-à-dire faire une croix sur tes anciennes relations et de t'ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres pour faire entrer de nouveau l'amour dans ta vie. Concrètement, il s'agit dans cette étape de t'ouvrir aux autres et d'être réceptive à tout ce qui se passe autour de toi pour profiter des occasions et des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes qui correspondent à tes attentes. Il faut également faire le deuil sur tes relations amoureuses passées en arrêtant de penser aux déceptions amoureuses vécues. Quatrième et dernière étape pour attirer l'amour vers soi, c'est d'agir pour concrétiser tes désirs de rencontrer le bon partenaire. Lors de cette phase, il s'agit de définir et de mettre en œuvre les actions nécessaires pour concrétiser ton désir ardent de rencontrer le partenaire que tu cherches. Concrètement, il s'agit de sortir de chez toi plus souvent pour aller à des endroits où tu penses que tu trouveras le partenaire idéal. Si par exemple tu veux un partenaire qui aime le yoga ou la musique, inscris-toi à des cours de yoga ou de musique. Parmi les actions à mettre en place, il y a le fait de sortir plus souvent de ta zone de confort et aller dans des endroits où tu es susceptible de rencontrer les personnes qui correspondent au profil recherché. Tu peux également décider de soigner ton look avant de sortir de ta maison, car on ne sait jamais quand et où on va rencontrer l'âme sœur, d'où l'importance d'être tout le temps sur son 31. Parmi les actions que tu peux décider de mettre en place, il y a aussi le fait de faire appel à tes amis et collègues pour te mettre en relation avec des personnes qui correspondent au profil que tu recherches. Il faut retenir une chose, c'est que sans action, rien ne va se passer. Si tu as décidé de t'ouvrir aux autres, il va vraiment falloir t'ouvrir aux autres. Ce n'est pas en restant tout le temps chez toi que tu vas réussir à faire rentrer l'amour dans ta vie. C'était donc les 4 étapes pour attirer l'amour dans ta vie et trouver le bon partenaire. Si tu es actuellement célibataire et à la recherche de l'homme de ta vie, sache que j'ai un e-book où je détaille 17 conseils pratiques pour trouver ton partenaire de vie. Ce sont des conseils qui vont t'aider à opérer de légers changements dans ta manière d'être et ta façon d'agir pour attirer l'amour dans ta vie. C'est le genre de bouquin que j'aurais moi-même souhaité avoir quand j'étais célibataire et que j'ai cherché un homme de valeur avec qui fonder une famille. Je t'en laisserai le lien en barre d'infos en bas de la vidéo. Cette vidéo arrive à sa fin. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, mets-moi s'il te plaît un énorme pouce bleu et abonne-toi à la chaîne Dev Academy et active la cloche de notification pour ne pas rater mes futures vidéos sur l'élégance, la séduction et le développement personnel. Je publie au moins une vidéo par semaine. Télécharge aussi ton guide offert « Comment devenir irrésistible » que je te laisserai dans la boîte de description en bas de la vidéo. À très vite !